Alors nous sommes le 16 novembre 2011 et il est 6h30 du matin. Peux-tu nous dire, Alexandro, où est-ce qu'on va là? On va à Munchigat. On va rejoindre notre bateau. Ouais. On va faire un petit tour. On va profiter du matin. On a beaucoup de propositions comme vous voyez. On va faire des. Non, t'inquiète. T'inquiète. Donc là-bas. Voilà. Le voilà. Good morning. Good morning. Hein? We're ready. Alors en fait, si on s'est levé si tôt le matin, c'est parce qu'en fait il y a un rituel tous les matins. Ce sont des ablutions, ce sont des actes de purification du corps par l'eau. Et il paraît qu'ils sont des milliers le matin à descendre sur les ghâts et à se laver dans l'eau, froide ou non d'ailleurs. Et il paraît que c'est un spectacle assez impressionnant pour nous touristes. Avec Alex là sur le Gange, faire une balade en bateau avec la Ranassi, le soleil, et on vient de regarder la température de Paris sur l'iPhone là, et bah, il fait 1 degré quoi.
qu'on va rentrer dans moins d'une semaine, on va se les plier quoi. Parce qu'on est venu comme ça nous à l'aéroport. Tour de ce matin est terminé. On va rentrer à l'hôtel, sans doute pour se recoucher. Comme Alex. Oui. Ah, on va dormir. Là, on a un peu cassé. Donc là, on va voir. Nice cobra. Et qu'est-ce que je vais dire Oui, je sais plus en fait. Ça te perturbe, hein, ces sollicitations. Hein. Dans le shop, un quartier très animé de la ville, de Varanasi, qui se trouve pas loin de. On va dire très commercial. Et c'est un dédale de ruelles où on trouve des boutiques de tout et n'importe quoi. Alors, avec Alex, nous sommes encore aventurés dans des petites ruelles étroites. Il fait bien sombre, car il y a, comme souvent en Inde, une panne d'électricité. Donc nous avançons à l'aveuglette avec la torche du caméscope, quelquefois aidés par les phares des mobilettes qui nous foncent dessus. Et on se dirige tout droit, en espérant rejoindre les rives du Gange. Donc là, les seules lumières, c'est les bougies. Et c'est ceux qui ont des groupes électrogènes. Ouais. Alors, on reprend une rue, un petit peu au pif, on va voir si on retrouve le Gange. Excusez-moi. Pardon. Ça descend, donc j'imagine que c'est par là. Il faut s'allumer, bien sûr, entre les bouses de vache. Moi, personnellement, j'ai les deux pieds baptisés depuis le début. Bon. Un carrefour. Droite, gauche. Gauche, c'est sûr? Vas-y. Faire confiance, c'est moi qui termine ici. Ok, vas-y, je suis. Il y a un truc sombre en face, là, ou en bas. Serait-ce l'eau? Alors, nous sommes donc arrivés au niveau du Gange, sur la Ganesh Ghat. Et là, deux choix s'offrent à nous. Soit nous prenons par ici, pour rejoindre l'hôtel, ou nous prenons par là. Le problème, c'est par où? Moi, je pense que c'est par là. Tu es sûr? On va voir s'il y a le feu de crémation au loin. Ouais. Le feu de crémation au loin, ça veut dire que c'est par là. Très bien. Allons-y. Ouais. On s'est acheté un cacahuète sucré enrobé de, je sais pas, de miel. Ça, c'est l'idée de Mathieu, ça. Ouais. Et c'est gourmand, ce mec. Ah, je crois qu'il en veut aussi. Non, vous avez, là, franchement, t'abuses. Hein. Bon, ça, c'est facile. Déjà qu'on t'a sauvé la vie, hein. Non, c'est pas lui. Il s'attend un truc, là. C'est pas bien de leur donner des trucs sucrés, hein. En train de le tuer, là. Oh, bah non. Merde. En plus, le problème, c'est qu'il parle pas anglais, là. Je suis repéré, là. Oh, putain, ça y est. Oh, putain, on est repéré. Cassos. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah écoute. J'ai que ça hein, on a que ça. C'est du sucre. Le problème c'est qu'ils sentent pas là, du coup ça peut se casser. Hey. Super. Alors 3 chiens. 4. Il y en a 4. Il n'y a pas d'heure pour les ablutions. Même la nuit, enfin le soir, même quand l'eau est froide. Et au loin, il y a la Ghat
où se déroulent les crémations, donc je pense qu'on va devoir bifurquer pour rejoindre notre gâte et notre hôtel. On va demander notre chemin à la vache. Namaste. Excuse me, Oliko, can you show me the way to the Alka Hotel? Alors, si je traduis ce qu'elle a dit, je crois qu'elle veut qu'on aille se faire meux. On va aller se faire meux.